Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ganga, le jeune qui n'est pas parti à l'école. Le jeune qui n'est pas parti à l'école, mais qui fatigue les moutons. C'est chic, façon, hein. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine, Doumbia, Zouzou, les Gangaba. Je vous avais promis hier, s'il plaît à Dieu, grâce à Dieu, que je vais m'exprimer ce soir. Voilà, comme beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce niveau. Et voilà, le chanson, elle dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aimer quelqu'un. On ne peut pas nous empêcher, on ne peut pas empêcher les Ivoiriens d'aimer ce qui parfois dit, même s'ils se trouvent en Australie. Bref, c'est un résumé que je vous fais. Vous savez, le peuple, une fois, ce sont mes parents. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de grandir avec ce peuple-là pour une raison familiale extrêmement compliquée que je refuse de rentrer dans le détail sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons commencer cette vidéo. Soyez salués tous ceux qui sont ici, mon très cher grand frère Thor Nassoro, Ramatukal, big respect à vous, tous ceux qui sont connectés. J'ai vu quelqu'un qui a appelé Cissé Saint là, Imam Nken est calé, appelé Cissé Saint, il n'a qu'à venir ici. Cissé Saint, Nken glacé ou non glacé. Voilà, appelez Cissé Saint, parce que tout à l'heure, parole va sortir. Et on va lire ce que le Gangaba il a écrit. C'est ça qui me donne la force de continuer. Affaire d'assurance vie du président Jom Kibafori Soro. Draman, écoutez les enfants qui t'ont installé au pouvoir. Draman, tu es déjà au pouvoir. Laisse tomber cette affaire de Jom Kibafori Soro. Sinon, tu vas lire, Inch'Allah, très bientôt.
Mon message au peuple sénoufaux du nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je n'ai pas dit peuple du nord, hein, maman Jacqueline. Vous savez, l'homme africain noir, dans sa nature, quand il met un enfant au monde, quand il est bon, il devient pour tout le village. Il devient l'enfant de tout le monde. Mais dès le premier seconde, l'enfant a eu un problème. On dit non, c'est un sénifaux, c'est pour les sénifaux. Oh, il y a certains qui disent, bon, l'enfant là, nous, on ne se reconnaît plus. À ce moment, il faut t'adresser aux parents biologiques de l'enfant. Vous comprenez? Quand Gangaba est reçu, il devient pour tout le monde. Quand Gangaba a des problèmes, il devient pour sa famille, sa mère. Donc, à ce moment-là, ceux qui veulent bien Gangaba, il doit s'adresser à ma mère. Et c'est ce que je vais faire. J'ai appelé le peuple du Nord fatigué. John Soro, à un moment donné, il était le chouchou du peuple du Nord en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Son Excellence Président John Kibafori Soro a des soucis avec le dictateur, le diable Draman, qui est venu massacrer le peuple ivoirien pour s'installer au pouvoir. Donc, du coup, le Grand Nord, hier, qui lâchait le pied à Soro John, qui priait pour Soro John, le Grand Nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils disent qu'ils ne reconnaissent plus Soro parce que Soro n'est pas d'accord avec Ouattara. Donc, à ce moment-là, il faut t'adresser aux parents de Soro, même s'il y a beaucoup des Ivoiriens qui le suivent malgré qui ne sont pas sinifaux. Ce n'est pas la xénophobie. C'est une manière de dire que quand un enfant a des problèmes, on fait appel à toute sa communauté. Mais lorsque la communauté ne réagit pas, faites appel directement aux parents de l'enfant concerné. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Donc ce soir, je ne vais pas lancer appel au peuple du Nord, mais bien sûr, au peuple sénifaux, donc je suis. Alors, je vous ai vu promis hier que ils vont me donner toutes les informations concernant cette affaire. Apparemment, Draman, après d'avoir lancé 4 mandats d'arrêt contre John Kibafori Soro, où les Occidentaux, le blanc, ont pris le 4 mandats d'arrêt. Où est mon serviette là? Pardonnez, hein? Je vais vous montrer l'exemple. Ce qu'ils ont fait avec le mandat d'arrêt de Draman, s'il vous plaît. Voilà. Draman Ouattara, le dictateur, le criminel, a lancé 4 mandats d'arrêt. Ma très chère maman, Aou Kouadjo, sois salué depuis ta position, maman. Draman Ouattara a lancé 4 mandats d'arrêt derrière John Kibafori Soro, après d'avoir été installé, bien sûr, au pouvoir. Le 4 mandats d'arrêt, les Occidentaux, ils ont pris, ils ont fait comme ça. Ils ont dit à Draman, ces mandats d'arrêt-là, nous, on ne les reconnaît pas. Ils ont déchiré. Ils ont jeté dans le poubelle. Le vieux brigand, le vieux dictateur, il devait se reposer pour éviter l'humiliation. Il dit non. Il a continué. Il est allé jusqu'à tenter d'assassiner John Kibafori Soro. Il n'a pas pu. Il a tout essayé. Attraper sa famille, jeter en prison. Chose pour laquelle Laurent Gbagbo n'a jamais osé. Ça prend à la famille de Soro Kibafori Diom. Mais Draman l'a fait. Rigobert, Simon Soro ont été arrêtés, jetés en prison. Sur les yeux du peuple sénifaux. Ses parents, nos parents qui sont au nord là-bas. Je vais m'adresser à eux à la fin de cette vidéo. Après d'avoir attrapé tous ses amis contraints en exil, il a essayé de l'assassiner. Il va donner l'argent aux plaisanteurs, aux comédiens Abidjan, soi-disant, je ne sais pas comment ils les appellent là, qui sont venus en France. ONG. Voilà, les affamés qui sont à Abidjan, là, qu'on les appelle ONG. Ils sont venus à Paris pour venir porter plainte contre John Soro pour crime contre l'humanité issu d'élections de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Mais le débat est doux, c'est bon, c'est géré. C'est intéressant ça là. Laurent Gbagbo a été accusé de crime contre l'humanité. Mon papa a été jugé 10 ans après, libéré, acquitté, blanchi. Alhamdulillah. Il est à Abidjan. On dit bon, ce n'est pas Gbagbo, c'est Soro. Qui est à la base de tous ces morts que Abidjan a connus en 2011-2010. C'est Soro Kibafori Diom qui est à la base des 3000 morts. C'est Soro Kibafori Diom qui a fait 500 000 morts en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens qui me suivent, le seul coupable, le seul qui a commis le crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire s'appelle Draman. Contre le génocide de nos parents ouais, de l'Ouest, là. Ça va venir. Draman ne va pas s'en sortir. Écrivez. Cette affaire de Soro, là, Draman va rester dedans.
Le génocide de nos parents de Ouéla, c'est crime contre l'humanité. Qui a fait ça? Dramane. Les 3000 morts en Côte d'Ivoire, qui a fait ça? Dramane. Aïe, 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 ma maman qui m'appelle là, je suis en plein direct là, je ne peux pas la répondre. S'il vous plaît, Nessan. Aïe, 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 aïe. Elle est au Sénégal à ce moment-là. Aïe, 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 c'est pas bon. Excusez-moi, hein. Oh my God. Ouf. Voilà. Donc, c'est Dramane Ouattara qui a commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara qui a assassiné 3000 Ivoiriens. Donc, ils sont venus à Paris pour dire que c'est Diom Soro qui a commis le crime contre l'humanité, étant donné que il a échoué de condamner mon papa Laurent Gbagbo. Cela est qu'il me soit salué. Alors, je vais dire à Macron ici et sa justice. Je vous ai dit il y a très longtemps que la France est un pays de merde. La France, c'est comme l'Afrique. Voilà, tout ce qui se passe dans ces pays dictatoriaux. C'est-à-dire la seule pays en Europe ici où le pouvoir, l'exécutif, a un impact sur la justice directement, c'est la France. C'est-à-dire, en France, là, il s'est dit démocratique, hein. Je vis à Paris, présent s'élève. C'est-à-dire, toi, tu dois être condamné. Un ministre de Macron, ils appellent la justice ne fait pas son travail. C'est la France. En Europe, ici, là, le seul pays européen où la justice est manipulée facilement, c'est la France. Mais Macron, tu vas rester dans ça là aussi, toi. Donc, ils sont venus ici. Notre rôle, c'est de venir expliquer au peuple français et le dirigeant français, par ricochet, Macron, un enfant de 40 ans, un petit de merde, pour lui dire que Diom Soro n'a pas tué un mouche en Côte d'Ivoire. Nous avons la capacité de démontrer ça. A plus B. Vous comprenez? Nous avons la capacité de démontrer que Soro n'a pas tué un mouche en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il a fait au nom de Dramane. Mon frère Kwaku Vincent, il a dit, Soro Diom, j'ai la vidéo ici. Oui, je suis à l'origine des déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Elle date de 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je le fais pour Harry Konan Bedié, non. Pour Laurent Gbagbo, non. Je le fais pour M. Ouattara. Le seul responsable de tous les crimes en Côte d'Ivoire s'appelle Dramane Ouattara. Ce n'est pas un débat. Alors, comme nous sommes lancés, on va s'efforcer à vous montrer quelques vidéos. Allez-y très rapidement. Mais, vidéo que je devais vous montrer là, ça ne fait pas partie ça. Lévi, il faut parler. My God. Elle date à vous. Oui, j'ai été à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est fini. On peut avancer. Je le fais pour M. Dramane. Il assume, l'enfant, il assume. Oui, je reconnais à être l'origine des déstabilisations de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Il n'a pas dit qu'il avait 10 ans comme Charles Bleu-Boudé. Il dit j'avais 29 ans. Je le fais pour M. Ouattara. C'est clair. Les moutons, on est d'accord. Votre Dramane là a fait des solos. Il va rester là. Écrivez ça. Inch'Allah. Alors, on va venir ici au moment des faits. Qui était président de la République? Moi, je ne cache pas mes mots. Charnier de Yopougon là. On dit c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui était au pouvoir. Vous comprenez? Charnier de Yopougon, on dit c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui était au pouvoir. Ça s'est passé, c'est lui. Mais le charnier de Yopougon là, on dit de ne pas parler. Mais on va parler. Dramane, il va continuer dans ça. Nous allons tout étaler ici. Vous comprenez? Alors ici, au moment des faits, 2010-2011, Dramane d'abord, élection de 2010, Dramane n'a rien gagné comme élection. Dès lors, Gbagbo s'est réclamé vainqueur. Et c'est ce qu'il était d'ailleurs. Et Dramane dit que lui, il a gagné. Le conflit a déclenché. Face à cette situation, même ici au Bagayogo, là, comment il s'est trouvé à l'hôtel de Goff?
Il était président de CI, il ne devait pas aller réclamer résultat là-bas. On a travaillé, on a comploté, on a menti. Mais Draman, tu ne pourras pas nous assassiner. Issou Bagayogo, là, je vais laisser ça même d'abord. On va laisser tout ça, la charnée, le bougon Issou Bagayogo, on va laisser ça de côté. On est dedans, non? On va venir doucement, doucement. Après les élections, 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts. Babo dit j'ai gagné, Draman dit il a gagné. Draman pouvait se retirer pour éviter les 3000 morts. Il dit non. Même si tous les Ivoiriens vont mourir, lui, il doit être président. Dans son QG à l'étoile de golf, il y avait deux forces. FDS, les forces de défense républicaine de mon papa Laurent Gbagbo. Il y avait la force nouvelle, les rebelles de Draman, donc, qui étaient dirigés par Dom Kibaforisoro. Depuis son QG à l'hôtel du Golfe, Draman demande de réunifier toutes ces forces-là parce que par le camp de Gbagbo, il y a eu déjà les défections. Il y a eu quelques généraux qui avaient rejoint Draman. Il décide de créer FRC. Il décide de mettre en place tous ces deux mouvements-là sur son ordre parce que c'est lui qui a été reconnu par la communauté internationale comme le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Force républicaine de la Côte d'Ivoire. Il met FRC en place. Et il demande à Dom Soro, dès lors, ministre de la Défense, de passer au ratissage, au règlement, aux pacifications d'Abidjan. Je vous dis ici, tous les animaux de Ouattara, tous les Ivoiriens qu'on a coupé les testicules, les seuls responsables, c'est Ouattara. Parce qu'un militaire agit sur l'ordre de son patron. C'est ce que Gbagbo a dit. Les militaires qui sont en prison, là, moi j'ai été leur chef. Ils ont obéi, ils ont exécuté ce que leur patron leur a dit de faire. Moi je suis libre, il faut les libérer. Parole de Laurent Gbagbo. Donc Draman, quand il a mis FRC en place, il leur a demandé de massacrer les gens. Oui, si il peut employer le mot, c'est lui. Le seul coupable, c'est Draman qui a demandé à même force de l'ordre, la FRC, d'aller massacrer Ibé à Abobo. Je vais vous montrer des vidéos. Donc, allez-y, dire à Macron. D'abord, au moment des faits, Soro était ministre, premier ministre et ministre de la Défense de Ouattara. Vous comprenez? Donc, par ricochet, Soro ne pouvait pas être poursuivi, crime contre l'humanité, nulle part. Le seul coupable en Côte d'Ivoire, des crimes contre l'humanité s'appelle Draman Ouattara. Ce n'est pas un débat. On va regarder les vidéos d'abord. Et je vous le dis ici. Depuis 19 septembre 2010, nous, on a présenté nos excuses au peuple ivoirien uniquement le fait qu'on a contribué dans cette rébellion. On demande pardon. Ça a été une erreur de notre part. Soro, il a dit, ce n'est pas moi qui a créé la rébellion. J'ai contribué à la rébellion. Mais ça là, nous allons regretter jusqu'à notre mort. Le fait que nous avons contribué dans la rébellion des merdes de Ouattara. On n'a pas créé, on a contribué dedans. Pour cela, on demande pardon au voyant peuple de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, 10 ans après, a quitté blanchi, innocenté. Qui a fait crime contre l'humanité? C'est Draman. Tu vas aller à ce pays de vie, ne t'inquiète pas. Gbagbo, son camp, ils ont été jugés. Et puis, moi-même, là, je demande à Soro, non? On n'a qu'à affronter justice, là, on va quitter ici. On n'a qu'à affronter la justice française. On va tout étaler. Tous les dossiers sales, tous les dossiers qu'on nous empêche de dire, on va dire. Soro, tu as dit qu'il y a des secrets, tu vas mourir avec ça. Attends, c'est une faux. Le peuple, c'est une faux digne. C'est quelqu'un qui garde le secret. Mais quand c'est gâté, c'est poto-poto, il n'y a plus secret. Nos parents, le peuple le plus lâche. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont mes parents, c'est Nifo. Mais je vais venir avec eux tout à l'heure. Je vais arriver sur eux. Vous comprenez? Le camp de Gbagbo a été jugé. Papa Laurent Gbagbo, l'enfant de Dieu, 10 ans après, acquitté, blanchi, lavé, innocenté. Innocenté! Mon frère, mon ami Cissé, j'ai beaucoup aimé ton poste hier là. Sur mes parents, c'est Nifo là. Donc, mais tu es venu après moi.
Je les ai allumés hier soir après tu es venu, mais après je vais m'adresser à eux. On ensemble, merci beaucoup. Qui t'a invité ici là? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple, hey, est parlé. Je demande à Dom qui va fournir sur eux. On n'a qu'à affronter la justice française. On va aller étaler tous les sales dossiers sur Draman. Moi, mon placard est plein ici. J'étais responsable de RDA à Milan ici. Moi, analphabète, je sais ce qu'on a fait. On n'a qu'à aller tout étaler, on va quitter ici. Soro n'a pas tué un moustique en Côte d'Ivoire. Oui, je vous ai montré la vidéo. Il assume. Oui, j'ai été à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date de 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour M. Draman. Contrairement à Bleu Goudé, lui, il dit qu'il avait 5 ans, que lui, il ne se rappelle pas ce qu'il disait. C'est ça, un homme d'État. Donc, au moment des faits, là, Soro ne pouvait pas. Il n'était pas président de la République. On parle de Charnier de Yopougon. Je lui ai donné un exemple. Charnier de Yopougon, on dit c'est Gbagbo Paye, c'est lui qui était là. Mais moi, je sais comment cela s'est passé. Je connais, on était dans Bidjala. On était prêt à tout pour Ouattara au sein du RDR. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, on a tout fait. Pour saluer Gbagbo, pour qu'il quitte le pouvoir, Ouattara n'a qu'à venir. On ne peut pas être sacrifié des fois. Alors, on va regarder la vidéo ici. FDS de Laurent Gbagbo, Force Nouvelle de John Soro, Ouattara les a pris. Il les a mis ensemble. Vous comprenez? Vous comprenez? Force Nouvelle de Soro Djom. FDS de Gbagbo Laurent. Ouattara les a mis ensemble et puis il a créé FRC. Vous comprenez? Mon grand frère Télena, soyez salué. Tous les actes, les exactions, crimes contre l'humanité, ça s'est passé sur l'ordre de Ouattara. Je vais vous montrer comment il allait égorger mon beau-frère Ibrahim Kouloubali Abobo, PK18, IB. Je vais vous montrer la vidéo. FRC, sur l'ordre de Draman. Draman a demandé aux militaires de massacrer tout ce qui est pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tout ce... Donc vous, les ONG du merde, là, les comédiens, là, vous ferez mieux de porter plainte contre Ouattara. Soro n'était pas présent à l'époque. Hein. On va regarder cette vidéo-là très rapidement. On va aller regarder. Vous comprenez? Ici, un homme digne crime contre l'humanité. Ah, ils ont libéré Gbagbo et ces gars-là. Vous voulez trouver un coupable? Non, Draman, tu dois aller à la CPI. Le camp de Gbagbo a été jugé, mon papa. Alhamdulillah, il rabbi l'alamin. Laurent Gbagbo, Nad, Allah, subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allah, lezi la ilaha ilahuwa, Al-Hayul Kayoum, La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. On prie le bon Dieu Gbagbo, Laurent, que Dieu met sa main sur toi, que Dieu te protège. C'est de ça qu'il s'agit. À vous. Oui. J'ai été à l'origine du déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est fini. C'est trop doux. Son Excellence, Président Soro Djom, si tu vois cette vidéo, moi je te demande. On est tous en Europe ici. La France, là, c'est tout près. On n'a qu'à aller affronter justice là. Nous serons le témoin. S'il te plaît. On n'a qu'à finir avec ces dossiers là. Ouattara et ces dozos de Comzone là, vous allez tous partir en prison. Qui a massacré? Chérie Ousmane, j'ai été montré tout de suite là. J'ai montré Chérie Ousmane. Gbagbo Laurent dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand Draman envoie Soro là, Draman dit à Soro, toi il faut dire, il faut écrire, qu'est-ce qu'on doit aller faire? Soro a toujours agi dans le pays là au nom de Draman. Soro n'a jamais posé un acte sans l'aval, sans l'accord de présent. Ouattara. Même pour aller tuer Ibella, il a demandé à Soro d'aller. Soro dit non, je ne peux pas. C'est toi le chef d'État. Il est temps que tu prennes des décisions qu'il faut. Soro a refusé d'aller. Il dit non, prends des décisions qu'il faut. Il a appelé ses généraux. Il dit, je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Bon, en attendant, on va regarder ce qui s'est passé 2010-2011, très rapidement. Papa Soro qui va faire John. Que Allah veille sur toi, qu'Allah te dors tranquille. Dans tes équipes, là, il y a des imams dedans. Hein? Les boucantiers. Il y a des intellectuels dedans. On est beaucoup. Draman pourra rien. Draman va mourir. Draman va disparaître de ce monde. Dieu va jamais livrer Soro à Ouattara. Inch'Allah, souma Inch'Allah. Écrivez ça. Parole de Gangaba. Écrivez qu'il y a un souriste qui a dit Draman va disparaître. Dieu va jamais livrer ce roi à Draman. Écrivez. Et puis buvez jus d'orange pour mettre dessus. C'est moi qui ai dit ça. Alors,
On va aller regarder la vidéo en question qui dit sur le crime contre l'humanité, il y a eu des exactions à Abidjan. Les exactions là, c'est drôle. Il était couché dans son cliché là-bas. Et puis, les djoulas du RD, vous allez m'énerver et parler. Vous allez m'énerver et parler. Et sous Bagayoko là, il ne devait pas aller à l'hôtel de Goff. Parce que ce n'est pas là-bas qui était le chef des CI. On a dit oui, Demana Pigas a arraché le papier. Mais arracher le papier, ça n'avait rien dit. Comment il s'est retrouvé là-bas? Arrivé là-bas, Issou Bagayoko dit que lui ne veut pas dire que Ouattara a gagné. On dit, ah bon? Tu ne veux pas dire que Ouattara a gagné? Ah, d'accord. On va parler. Même Issou Bagayoko là n'était pas prêt pour dire que Ouattara a gagné. Tiens, on a trop fait pour lever là. Mais il va apprécier. Dieu, il est là. On te dit que tu es Dieu, tu n'es pas Dieu. On va aller regarder la vidéo là. Regardez très rapidement. Je crois que ça est là. Voilà. Écoutez. Les moutons et le cabri. Les Ivoiriens se sont souvenus hier des événements du 11 avril 2011, marqués par l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, au nombre des principaux acteurs du dénouement de cette crise électorale. Post-électorale figure Soro Guillaume, revenant sur le rôle joué par l'actuel président de l'Assemblée nationale. Revenons sur le rôle joué par l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il n'était même pas ministre. C'est quand Dramane a fusionné toutes ces forces-là, forces de défense républicaine de Gbagbo Laurent et forces nouvelles de Soro Guillaume, quand il a mis tout ça et puis il a créé son FRC-là, donc il a ordonné. Ils n'ont qu'à couper des testicules après Johnny Pacheco. Dramane est venu récolter le testicule et le crâne des peuples ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, le rôle joué par Guillaume Soro, hein, comme on dit, il a fait crime contre l'humanité. Écoutez. Là, Jérôme Kofi Aboulin. On le savait, grand syndicaliste, mais c'est à la faveur de la crise politico-militaire que Guillaume Kigbafori Soro va révéler ses qualités de redoutable tacticien. Alors que beaucoup se demandaient s'il n'avait pas basculé dans le camp Laurent Gbagbo, Guillaume Kigbafori Soro va démontrer le contraire en ayant le courage, au soir du scrutin du 28 novembre 2010, d'aller à la résidence de l'ancien chef d'État pour l'informer de sa défaite. Se mettant au-dessus de toute compromission, le Premier ministre sortant va choisir le camp de la vérité des urnes. C'est ainsi qu'il va remettre sa démission entre les mains du président élu, président choisi donc par le peuple, en l'occurrence. C'est faux! Président choisi donc par la communauté internationale, oui! On était dedans, on était d'enfer là, on sait ce qui s'est passé. Vous comprenez? Dom Soro va remettre sa démission, il n'est plus rien. On va voir comment il a été reconduit, qui l'a reconduit, qui lui a donné des ordres, qui lui a nommé ministre de la Défense, Premier ministre. Écoutez. Pense Alassane Ouattara. Guillaume Kigbafori Soro se conforme donc à la Constitution et à l'accord politique de Ouagadougou. Ok. Allez-y dire à Macron et sa justice de merde là. Comme ils ne connaissaient rien, la France est un pays de merde qui vit seulement sur le dos des Africains. Ils veulent seulement manger. Ils installent les dictatures là, à la tête de nos États. Ensuite, il faut voler des milliards pour donner à les chefs d'État, ils sont avec toi. Guillaume Soro s'est conformé à l'accord de Ouagadougou, qui disait, une fois l'élection est finie là, tu n'as pas droit à la parole. Tu restes dans ton coin jusqu'à ce que la CI déclare le vainqueur. Une fois le vainqueur est déclaré, tu peux démissionner. C'est ce qui s'est passé. Donc, il a remis sa démission à Dramane. Et ensuite, Dramane, qui n'est pas un homme politique. Moi, je connais trop Alassane. Dramane, ce n'est pas un homme politique. Il ne connaît pas la politique. Il dit, petit, il ne faut pas partir pour me laisser ici. Reste à côté de moi d'abord. C'est vrai, tu as dirigé la rébellion. C'est vrai, tu as fait en sorte que je sois candidat. Maintenant, il faut m'installer avant de partir. Reste là. Ministre. Premier ministre. Ministre de la Défense en même temps. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Les comédiens et les plaisantins. Dramane a eu peur. Il a attrapé Pierre Le Soro. Mon fils, il ne faut pas partir pour me laisser. Reste ici d'abord. Alors, du n'importe. C'est-à-dire, quand je vois les djoulas du RDL, là, djoulas de Ouattara aujourd'hui, moi, j'ai ri du n'importe quoi. Ici. Et Soro se conforme donc à la Constitution et à l'accord politique de Ouagadougou. Convaincu que le président sortant ne remettrait jamais le pouvoir de façon pacifique, Guillaume Kigbafori Soro va appeler les Ivoiriens à la révolution orange. C'est suite à cet appel que les Ivoiriens, notamment les femmes,
sont descendus dans les rues de manière pacifique pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo. Ni ces manifestations, ni les différentes médiations, ni les offres d'amnistie du chef d'État élu n'ont pu infléchir la position du président sortant. Bien au contraire, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président vont intensifier les massacres et exactions contre les populations civiles. Pour mettre fin à cette tuerie généralisée, Guillaume Kigbafori Soro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend la tête des FRC pour mener l'opération. Les animaux. Salut, ça me fait mal. Voilà des gens qui sont partis à l'école, ils ont bac plus 12. Ils ne connaissent rien dans la vie. La médiocrité, Kadraman va tomber, vous allez tous mordre le poucher. Vous. Akame ou bien maman. Macron, tu as attendu ou tu n'as pas attendu? La justice française. ONG des merdes là, qui sont venus, qui se recriment contre la... On va revenir un peu en arrière. Apparemment, les moutons, ils n'ont pas compris. On va venir un peu en arrière. On va venir un peu en arrière. Ici. Prends la tête des FRC. Pied les massacres et exactions contre les populations civiles. Pour mettre fin à cette tuerie généralisée, Guillaume Kigbafori Soro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend la tête des FRC pour... À sa qualité de ministre de la Défense, prend la tête des FRC. FRC, les forces... Écrivez FRC ici là rapidement, ça m'échappe là. Écrivez. Il prend la tête de FRC que Draman a créé. C'était les forces militaires de Draman. Aussitôt prend le pouvoir, il a mis FRC en place. Il nomme Soro ministre de la Défense. Soro prend la tête de ce groupe milicien qu'on appelle militaire. Ils étaient tous à l'hôtel de Goff. On voit Soro parmi les militaires ici. FRC, Kwaku Vessant, ouais, ça c'est abréviation, le mot complet. Qu'est-ce que. Voilà. C'est que force républicaine de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. J'ai trouvé déjà. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un mouton. FRC, force républicaine de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est Draman qui a créé ça. FDS de Gbagbo, c'était force républicaine de la défense de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? FRC créé par Draman Ouattara, force républicaine de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, très cher grand frère. Donc, Soro attend le ministre de la Défense. Prends la tête de ces sept groupes milices-là. Et je vous rappelle que parmi FSI, là, il y avait des généraux, quelques généraux de Laurent Gbagbo, et notamment l'autre, là, son ministre de la Défense, comment il s'appelle là, qui est ambassadeur en Allemagne maintenant. Son nom m'échappe là. Mangou Philippe. Et, aïe, 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 quoi, le problème. Oh, il savait. S'il vous plaît, Nassan. Voilà. S'il vous plaît, ça, le métier n'est pas facile. Il y a un boulon qui s'est déblonné là. Il fallait remettre ça en cause. Mangou Philippe et Kassaraté, quelques généraux de Gbagbo, ils avaient déjà trahi Laurent Gbagbo pour rejoindre Ouattara. Mangou Philippe, merci beaucoup, Kwaku. Donc, ces forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, ils sont assis ici. C'est ceux-là, composés de Chérif Ousmane, Hervé Vecho, Kone Zagaria, les dozo maliens là. Et le grand frère qui était à main là, celui de Makono là, j'ai oublié son nom là, les Koyaga là. Los Fofana, c'est eux qui ont commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, y compris sur l'ordre de Draman. Tout ce qu'on a fait dans le pays là, tout ce que nos grands frères ont fait dans le pays là, ils ont exécuté l'ordre donné par Draman. Donc, s'il y a un coupable, c'est Draman. L'os des mains. Vous comprenez? Et tous, la justice française, la CPI, doit attendre tout cela, y compris Draman Ouattara elle-même. Vous comprenez? Qu'au crime contre l'humanité, attaque Rama. Continuez de raconter vos vies ici. Ici. Pour mettre fin à cette tuerie généralisée, Guillaume Kigbafori Soro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend. À sa qualité de ministre de la Défense. Ministre de la Défense, c'est président de la République. Ministre de la Défense, il peut donner des ordres? Non. On lui donne des ordres, lui, il exécute.
Dangadi. Et tu es parti à l'école, tu connais pas ça? La tête des FRC pour mener l'opération en vue de la libération totale de la Côte d'Ivoire. En moins de 2 semaines, lui et ses hommes vont libérer toutes les régions du pays. Ok, pendant ces 2 semaines-là, s'il y a eu des crimes contre l'humanité, c'est pas Soro. Il n'était pas président. Allez-y demander à Dramang qui a mis ses FRC en place, qui a nommé Soro ministre de la Défense et Premier ministre. Allez-y demander à Dramang. Pendant ces 2 semaines-là, tu as dit, journaliste de Dramang, qu'ils ont libéré toute la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais pendant ces 2 semaines-là, si on a remarqué qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, les exactions, ça veut dire que les exactions sont commises de la part des hommes de Dramane. Vous comprenez ou pas? S'il y a eu crime contre l'humanité pendant ces 2 semaines, elle a été commise pas par les hommes de Laurent Gbagbo, par les hommes de Dramane. Comprenez ça une fois. On va quitter ici. Vous comprenez? Allons-y. Les hommes de Dramane, ils ont commis trop de bêtises en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, les deux autres connaissent Zagalé là. Vous tous. De la ville d'Abidjan. Il lance un appel à la reddition aux dernières forces fidèles à Laurent Gbagbo pour éviter un bain de sang dans la capitale. Certains éléments des FDS, dont des généraux, rejoindront le camp de la légalité après une semaine. FDS. Certains forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo, ils ont rejoint Ouattara. Ils ont trahi Gbagbo. Un militaire doit se battre jusqu'à dernier goût de sang. Les Mangouflous, les Kassaratés, ils ont trahi Gbagbo, ils sont venus rejoindre Draman. C'est eux qui ont commis toute cette exaction-là. Écoutez. Rejoindront l'édition aux dernières forces fidèles à Laurent Gbagbo pour éviter un bain de sang dans la capitale. Certains éléments des FDS, dont des généraux, rejoindront le camp de la légalité après une semaine de combat ponctuée par les frappes internationales pour neutraliser les armes lourdes de Laurent Gbagbo. Vous avez compris? Donc, Soro n'était rien. Hein? Ministre de la Défense, à sa qualité de ministre de la Défense, il prend la tête des FRC, des Dramane, composé de Dozo, composé de toutes sortes d'ethnies, les Dozo et les Djegemenena, avec les pêcheurs de poissons dedans, les gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il veut dire, le règle de tirer une balle sur quelqu'un, qui tirait sur tout ce qui bougeait. Donc arrêtez de prononcer le nom de Soro dans vos gueules. Vous avez compris? Donc s'il y a des comédiens en Côte d'Ivoire qui ont remarqué que suite à l'installation de Dramane au pouvoir, les FRC des deux eaux de Ouattara, qui étaient à l'époque commandés par Dom Soro, puisqu'il était ministre de la Défense, il ne commandait même pas, qui était ministre de la Défense à l'époque, on s'adresse à Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dramane qui est coupable de tous les massacres en Côte d'Ivoire. Il allait jusqu'à massacrer les enfants du Nord. Je vais vous montrer une vidéo ici encore. On va aller regarder très rapidement. L'assassinat de mon beau-frère Ibrahim Koulali. Vous avez bien vu cette vidéo-là? Soro n'a rien tué. Il n'a rien fait. Il reconnaît d'être à l'origine de déstabilisation de son pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons reconnu d'avoir contribué à la rébellion des merdes de Ouattara. On n'a pas créé, on a contribué dedans. J'ai contribué à la rébellion, ce n'est pas moi qui ai créé. Le discours est ici. Je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. On va vous montrer une autre vidéo ici. Vous allez voir qui a ordonné d'aller massacrer les Ivoiriens. Hey, je demande aux parents de Ibe de porter plainte contre Ouattara. La manière Ibrahim Koulibaly dit Ibe a été exécuté. C'est ça qu'on appelle crime contre l'humanité. Le vrai crime contre l'humanité. Mes beaux parents de Ségéla, il y a quoi vous? Après Dramane, quelqu'un va mordre le poussière. Ils sont allés exécuter Ibe. Le monsieur et moi, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Parce que Dramane dit que Ibe parlait trop à la RFI, machin, que lui n'a pas apprécié ça. Aller tuer, exécuter, couper sa langue pour déposer sur son corps. Ouattara. C'est ça, crime contre l'humanité. Qui a commis ça? FRC de Dramane, force républicaine de Ouattara. Regardez ici, très rapidement. Oui, album de Dramane ici. Voilà. Avant d'aller tuer Ibe, c'est-à-dire, moi, je suis tellement fier de moi-même.
Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal, je suis intelligent. Je vous ai dit ici, les seuls coupables de crimes contre l'humanité, c'est Draman. Je vais vous montrer des vidéos pour confirmer ça avant d'attaquer mes parents, c'est une faux du Nord. Ici, regardez ici, les animaux. C'était tard. Et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Officiers généraux et officiers supérieurs. Draman a regroupé ses... comment ça s'appelle là? J'oublie trop là. Draman a regroupé son FRC. Il les a regroupés, les miliciens. Les généraux. Mangou Philippe était ici. Mangou Philippe doit être attendu ici à Paris. Et tous, on va aller répondre. Moi, je suis prêt. Wallah Bilay. Je suis prêt à aller témoigner. Je demande à Papa Soro qui va fournir d'homme. La justice française n'a qu'à faire son travail. On est fatigué de les bavardages. Chaque 3 mois, chaque 4 mois, Soros ici. Hey, on n'a qu'à aller au procès. Je veux qu'on aille au procès. Qui a tué qui en Côte d'Ivoire? Dieu merci, on est tous en Europe ici. Et Paris, c'est tout près. On va partir là-bas. Moi, je serai un témoin clé des crimes contre l'humanité de 2010-2011. Je peux parler dedans. Je peux témoigner. Je vous le dis. Hein. Soro, on n'a qu'à partir. Cette fois-ci-là, il ne faut même pas envoyer un avocat. On te convoque, on va partir là-bas. Voilà. Parce qu'on refuse que tu te rendes là-bas, à ces pays de merde là qu'est la France. Il ne faut pas y voir envoyer des gens pour pouvoir t'arrêter, machin. C'est à cause de ça. Parce que ce n'est pas un pays, la France. Ça. Ici, Draman Reni, c'est FRC, les deux os là. Le Colonel Zagaria, le Chérou Ousmane. Et le Philippe Mango, le généraux, le officier. Et le général supérieur, voici ce qu'il leur a dit. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Voilà. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. La guerre est terminée. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. Le pays est réunifié. L'armée doit être réunifiée. La guerre est terminée. Le pays est réunifié. L'armée est réunifiée au sein des FRC. Philippe Mangou. Force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance. Force. Force. L'idée là est bloquée. Philippe Mango a parlé. Philippe Mango dit, on a pris acte sur ce que le chef suprême des armées a ordonné. On a pris acte sur l'ordonnance de Draman. Il nous a demandé d'aller tuer Ibé. On va le faire. Philippe Mango, parce que la vidéo est bloquée là, je ne sais pas pourquoi. Nous n'accepterons pas. Vous comprenez? Allez-y, dit aux animaux du RDR. Dit à un militaire. D'aller désarmer un militaire par la force, ça veut dire quoi? Tuer lui. Draman ordonne à ces miliciens-là, à ces FRC composés de dozos et de pêcheurs, d'aller tuer Ibé. C'est lui qui a ordonné de tous les Ivoiriens qui ne veulent pas se rallier à lui, ils n'ont qu'à les tuer. Si tu vois que les Kasseratés, Flub Mangou, ont fini pour trahir Babou, pour se rallier à Ouattara, ils ont eu la vie sauve. Si le Ouattara allait les tuer, parce que Ouattara, c'est le pouvoir qui l'intéressait à ce moment-là. Donc, tout ce qui était méfiant à Ouattara était contre Ouattara. Ouattara a ordonné de les tuer. Donc, si ONG Abidjan ont remarqué qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, allez-y demander Draman. Draman a fini de parler. Il a réuni ses mercenaires. Il leur a demandé d'aller voir Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, de déposer les armes le plus rapidement possible. Si cela n'est pas le cas, votre rôle, c'est de le désarmer par la force. Ah, dit à un militaire, d'aller désarmer un militaire par la force. Ça veut dire quoi? C'est de l'assassiner. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va continuer. Très rapidement. Quand il a fini de parler, il a donné ordre. Chérou Ousmane s'est rendu en même temps à Bobo. Écoutez la vidéo. Mais le chef a parlé.
Le chef a parlé. Quand le chef parle, tu exécutes. Draman a dit de tuer, de massacrer, de couper le testicule de tous les Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas à son pouvoir. Le Mangou Philippe. Et puis je vous le dis ici, hein, nous allons regretter toute notre vie. Le fait qu'on a contribué dans la rébellion de Ouattara, ça c'est clair. John Soro, à l'époque des ministres de la Défense, qui n'était pas chef de l'État, à sa qualité de ministre de la Défense, était à la tête d'un groupe, un ministre de Ouattara. Aujourd'hui, c'est sept ministres de Ouattara qui règnent en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été dissous. Hein. John Soro était à la tête d'un ministre de Ouattara, soi-disant FRC. Sinon, comment les gens qui sont bien entraînés, qui ont fait formation militaire, peuvent aller exécuter un être humain parce que ton chef t'a demandé de le faire? Alors, il a dit d'aller tuer Ibé. Si Ibé ne veut pas désarmer, Cheikh Ousmane est parti à Bobo. Regardons ensemble. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, Ibé, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. C'est fini. Hein? Tu cherches quelqu'un qui a un coupable, crime, contre. Va aller voir Ouattara. Comment un militaire peut venir dire ça à un citoyen lambda? Ibé, là, c'est ton frère d'âme. Si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-leur que Ibé, c'est fini. Dites-le qu'Ibrahim Koulibaly, c'est fini. Le président de la République, c'est Hassan Ouattara. Il nous a donné l'ordre de venir nous tuer. Allez-y leur dire à ses parents que Ibé, c'est fini. Voici la vérité crue qu'il faut dire aux animaux. Si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-le qu'Ibé, c'est fini. Ouattara nous a donné l'ordre de venir l'assassiner. Alors, toi, Batra D, là, toi, un juge malhonnête français, tu cherches un coupable. Des crimes contre l'humanité. Tu ne sais pas que Ouattara est là? On est là, on vous attend. Moi, je vais supplier Soro. Cette fois-ci, on n'a qu'à aller à Paris, au tribunal. Je serai l'un. Non, je vais partir avec tous mes téléphones là. Premier témoin. Vous comprenez? Cheikh Ousmane doit être attendu à la CPI. Connaît Zagaria, Mouro, Hervé, connaît Lost et tous. Tout le Comzone doit être attendu. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mon papa Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous comprenez? Moi, on m'envoie tous les jours, mais j'essaie de m'envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez très bien. Ramatical, vider les discours de Draman, là. Pardon, après, il faut chercher passer. À chaque fois qu'un Mangou Philippe veut parler, la vidéo se bloque. Donc, il faut... Et chercher ça, tu vas m'envoyer. Comme ça, je vais supprimer ça et puis je vais garder pour toi là. Ramatkal, tu as compris? Vidéo où Draman dit d'aller voir Ibé, j'ai ça ici. Tu ne veux pas désarmer, votre rôle, c'est le désarmer par la force là. Après, Philippe Mangou prend la parole. Pour moi, la vidéo se bloque, je ne sais pas pourquoi. Écoutez. La dernière fois que nous on arrive à Bobo et puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La médiocrité de toute une ethnie, qu'on les appelle Dula. On vient t'annoncer que la prochaine fois, ils vont venir tuer ton papa. On vient t'annoncer que la prochaine fois, ils vont venir tuer ton grand frère. On vient t'annoncer que la prochaine fois, ils vont venir tuer ton mari. Toi, femme Dula, là, tu applaudis. La dernière fois, le président de la République, c'est Ouattara. C'est la dernière fois qu'on vient ici. Ouattara a ordonné d'aller le assassiner. Vous comprenez? Vous comprenez? Oh my God, attendez, s'il vous plaît. Oh, il y a longtemps, je ne vois pas les animaux là. J'ai vu un aujourd'hui. Je crois que j'ai. Oh my God, bah, après, on va voir. Je n'arrive pas. Mais banni, bah, après, je vais la bloquer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, on va continuer encore. Si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les, Ibé, c'est fini. C'est le président Alassane Ouattara. Ibé, c'est fini. Si vous avez vos frères, si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, Ibé, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara.
la dernière fois que nous n'arrivons à Bobo et puis on ne tire pas. Hein? La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Voilà. Ceux qui ont exécuté Ibella, c'est eux le responsable des crimes contre l'humanité en 2011. C'est clair? Ceux qui sont allés exécuter Ibe sur l'ordre de Draman, c'est eux les responsables des crimes contre l'humanité en 2011. S'il y en a, s'il y a eu des crimes. Vous comprenez? Aïe, aïe, merci beaucoup, Aromatica. Je crois qu'à partir d'ici, j'ai pu le bloquer. Voilà. Ah, merci beaucoup, Aromatica. Merci d'avoir répondu, ces fils de bâtards-là. Vous comprenez? Ceux qui ont exécuté Ibe là, en 2001, c'est eux qui sont responsables de tous les crimes contre l'humanité lors des crises post-électorales. C'est clair, c'est pas un débat. Voilà. La dernière fois, on va venir, on ne va pas réfléchir. Donc, si on cherche un coupable qui a massacré les Ivoiriens, de 19 septembre 2010 jusqu'en 2001, c'est Draman. Qui a massacré les 3000 morts, c'est Draman. Si son ordre. Ces deux eaux-là, ces miliciens-là sont venus massacrer les Ivoiriens. Ils ont exécuté mon beau-frère, Ibe Koulibaly. L'homme qui a sacrifié toute sa vie pour Ouattara. Ibe a été tué comme un chien. Ils ont coupé sa langue pour déposer sur son corps, sur les yeux du peuple du Nord. Sans que personne puisse s'adresser à Draman. C'est la malédiction de Dieu dans les béniers. Mais quand Ouattara va passer, hey, c'est trop doux. Donc, c'était pour vous dire qui a tué qui, qui a fait quoi au nom de qui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Vous savez, ici, là, quand toi, tu m'envoies, Ramatkal m'envoie, aller livrer un colis piégé à quelqu'un, quand on m'attrape là, Ramatkal n'est pas concerné. Parce que c'est moi qui a donné le colis pour aller donner. C'est après. Les enquêtes vont monter jusqu'à Ramatkal où le colis est quitté. Mais toi qui as exécuté le colis là, si on doit juger quelqu'un, c'est toi. Donc c'est le chéri Ousmane là qui doit répondre devant un tribunal. Et ensuite Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui les a envoyés. Les chéri Ousmane vont venir à la CPI. Ils vont reconnaître, c'est vrai. Moi j'étais un militaire. J'ai exécuté l'ordre de mon patron. À ce moment, on va appeler le patron lui-même pour venir s'expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Bagolora l'a dit. Les militaires propres Bagolora, ils sont en prison. Pourquoi? C'était à cause de Bagolora. Parce qu'ils ont posé des actes sur la demande de leur patron. C'est Bagolora qui était leur patron. C'est pourquoi ils sont en prison. Mais une fois Bagolora libéré, ces militaires-là doivent être libérés. Parce que leur patron est en liberté. Mais pourquoi on les a arrêtés? On les a arrêtés. Parce que Bagolora les a envoyés, ils sont allés exécuter. Mais attends, un militaire, tu ne peux pas dire non à ton hiérarchie, à ton patron. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le chéri Ousmane, le collègue Zagar, Draman va les demander demain d'aller assassiner leur propre mère. Il ne peut pas dire non. Ils vont aller tuer la vieille là. À cause de Ouattara. Moi, je sais ça. Malédiction de Dieu. Alors ici, on va s'adresser au peuple Sénifo, mes parents du Nord. Le peuple sénifo du nord de la Côte d'Ivoire qui est devenu le peuple le plus lâche au monde. Votre fils Soro Kibafori Diom s'est sacrifié pour installer Ouattara au pouvoir. Ouattara a tenté d'assassiner Soro sur les yeux du peuple sénifo. Ouattara a attrapé le frère de Soro pour le jeter en prison. Ouattara a contraint Soro en exil. Le jour où Ouattara a tenté d'assassiner Soro, il a échoué. J'ai fait une vidéo et je me suis adressé au peuple du Nord, en particulier le peuple sénifo de Ferke. J'ai dit Draman d'aller très loin. Aller jusqu'à tenter d'assassiner Soro. Si le peuple du Nord ne veut pas sortir parce qu'ils disent que Soro c'est votre fils, il est votre droit et votre devoir de vous adresser à Ouattara. Le peuple sénifo aujourd'hui qui sont devenus le peuple le plus lâche au monde. Ils ont peur de s'adresser à Ouattara pour ne pas être arrêté, aller en prison. Ils ont peur de s'adresser à Ouattara pour ne pas être assassiné. Le peuple sénifo, digne de ce nom, n'a jamais accepté d'assister aux décapitations de ses enfants. Sénifo ne l'acceptait pas. Je suis un enfant sénifo.
Vous comprenez? Un Sénifon n'acceptait pas assister aux décapitations de ses enfants. Tout cet encharnement de Draman contre votre fils Sorodja, vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous adresser à Draman? Qu'est-ce qu'on a plus fait à Draman pour que Soro mérite tout ce sort-là? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Alors ici, je vais vous montrer quelques vidéos. Draman nous demande de venir au RIDP. On a refusé qu'on ne va pas là-bas. L'acharnement a commencé. Sur les yeux du peuple de CFLK, je vais vous montrer d'abord trois vidéos ici. Ouais, ici, dans l'album de Draman, là, on va aller album de Soro qui va fournir John. Ici. Alors, on va commencer terre à terre. Ici, nous sommes africains. Ici. Chers parents. Pourtant, la vérité. Chers parents, Senifo du Nord. Ouattara, il n'est rien. Levez-vous. La dignité, la culture, Senifo s'en perd. Pose à vous. Vous comprenez? Les imams Senifo qui se sont convertis à l'islam, je vais m'adresser à vous. Soro a construit une mosquée pour vous. Je ne parle pas des imams de Kozim, ni imams Ojeneka. Je parle au peuple Senifo et les imams Senifo ici. Mes beaux parents, les enfants ont été assassinés devant eux. Ils n'ont pas pu lever le petit doigt. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Soro? Le nordiste dit, ah, on ne reconnaît plus Soro, hein, c'est votre enfant, donc levez-vous. On dit que votre enfant, quand l'enfant est reçu, il devient pour tout le monde. Quand l'enfant a un problème, chacun dit, ce n'est pas notre enfant. Chers parents, c'est une faute de faire que, vidéo là, c'est pour vous. Adressez-vous à Ouattara. Pourquoi tout cet acharnement contre John qui va fournir Soro? On va écouter la vidéo ici. Très rapidement. On va écouter. Vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez bien dire le nom de quelqu'un d'autre? Parce que nos parents, ces niveaux là, n'ont pas cru que Draman pouvait dire à Soro de démissionner. Et il dit que c'est pas vrai. Donc on voulait pousser Soro a dit non de quelqu'un d'autre. Écoutez. Pourtant, la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ici, on voit le grand frère El Hadj Mamadou Traoré ici. Tous les commandos de GPS sont affectés. Écoutez. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez bien dire le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RIDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RIDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Faites aussi à démontrer aussi, papa, A plus B, qu'on ne peut pas nous acheter, nous, le peuple de Ferke, surtout nous, les femmes de Ferke, nous sommes pour la cause de Soro, que Dieu guide ses pas vers ses idées. Si mon boss peut permettre à mon aîné, grand frère Alassane Ouattara, de réussir son mandat, je suis prêt. Celui qui m'a demandé de démissionner, c'est Alassane Ouattara. Alassane m'a reçu dans son bureau. Il dit, viens au RIDP. J'ai dit, je ne peux pas aller au RIDP. Il dit, il faut démissionner. J'ai démissionné. Le moment de faire qu'il dit, sera à démontrer qu'on ne peut pas acheter le peuple digne, ce n'est faux de faire qu'il. On est avec lui. Mais ce peuple digne, ce n'est faux, qui a refusé, c'est qui? Ah, okay. Qui a refusé d'être acheté. Mais pourquoi ce peuple digne ce n'est faux de faire que a du mal à s'adresser à Draman aujourd'hui? Point d'interrogation. Vous comprenez? Point d'interrogation.
Ferke a démontré qu'on ne peut pas nous acheter. Mais aujourd'hui, et nous, le peuple de Ferke, il faut rendre la démission. C'est fini. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RIDP. De venir au RIDP. Président Ouattara m'a reçu. Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RIDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RIDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre la démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Ferke aussi a démontré aussi, papa, A plus B, qu'on ne peut pas nous acheter, nous le peuple de Ferke. Surtout nous les femmes de Ferke, nous sommes pour la cause. Vous avez compris? Comme les femmes de Ferke, le peuple sénifo de Ferke a démontré face au monde entier qu'on ne peut pas nous acheter. Allez-y voir Draman maintenant. L'acharnement est devenu trop contre votre fils. Le fils de Ouroudougou de Séguéla a été exécuté, Ibrahim Koulibaly, sur les yeux de mes beaux-parents de Séguéla. Ahmed Bagayogo a été assassiné sur les yeux de mes beaux-parents de Séguéla. Draman a tenté d'assassiner Soro sur les yeux des peuples défrégués. Gon Koulibaly a été ligoté sur les yeux des peuples de Korogo. Il a essuyé d'assassiner Soro. Vous attendez quoi pour vous adresser à Draman? Vous attendez qu'il assassine Soro ou il arrête Soro pour pouvoir aller vous adresser à lui. Chers parents, Sénifo de Ferke, pas Ferke seulement, à tous les Sénifo du Grand Nord, allez-y voir Ouattara. Il n'a qu'à vous dire qu'est-ce que votre fils a fait à lui. Viens au RHDP, je ne peux pas, il faut démissionner. J'ai démissionné, c'est fini. Mais pourquoi tout cet enchaînement? Soro va vous répondre ici. Écoutez très bien ici, très rapidement, une vidéo encore. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège l'homme qui va faire Soro. On va écouter cette vidéo-là. Pas triste du tout. Hein. Parce que moi, je ne serai pas triste du tout. Hein. Parce que moi, je ne suis pas triste. Le vieux, ne soyez pas triste du tout. Hein. Parce que moi, je ne suis pas triste. Tu n'es pas triste. Ok, moi, je suis triste. La tristesse veut me tuer aujourd'hui. Nous, on est tristes de voir tout cet encharnement là contre toi. Cher peuple sénifo du Grand Nord de la Côte d'Ivoire, mettez une délégation en place. Allez-y voir Ouattara. Vous êtes devenu le peuple le plus lâche au monde. Ce que votre fils a fait pour Ouattara et pour le Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Chacun peut dire aujourd'hui, nous on ne reconnaît pas Soro, c'est Ouattara, nous on connaît. Mais vous là, ces parents de Ferke, vous avez le devoir d'aller voir Ouattara pour qu'ils vous disent ce que Soro a fait, ce que Soro lui a fait. On ne peut pas s'asseoir à regarder Draman comme ça. Écoutez ici, il a fini de parler à Ferke. Il y a une autre vidéo de Ferke, je vais vous montrer encore. 3 avril 2017, à l'ouverture de la session ordinaire, j'ai dit que façon je vois les choses. On veut mettre le RIDP unifié en place, sans le PDCI. Ce sera comme si on faisait le RIDP unifié contre le PDCI, et ça va diviser la politique. Le président a voulu que moi, je rentre dans le RIDP. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais je ne suis pas contre le RIDP aussi. Celui qui veut militer dedans, qu'il aille militer, c'est très bien. Le 24, il m'a appelé, il dit, Guillaume, tu n'as pas changé d'avis. Il dit, ah, vraiment, vous me connaissez. Un petit Niarafolo, c'est nouveau. Quand il dit non, c'est fini, c'est non. Quand il dit oui aussi, c'est fini. C'est pas Niarafolo seulement. Un petit Sénifo digne, authentique, originaire, quand il dit non, c'est non. Vous comprenez? Et puis je vois nos parents, la médiocrité, ils sont en train d'applaudir. Et ils applaudissent dans tout. On vient te dire à Bobo que la prochaine fois, on va venir, on va tuer ton mari, on va tuer ton papa. Toi, tu applaudis. Hein? Vous comprenez? Écoutez. RIDP unifié en place, sans le PDCI, ce sera comme si on faisait le RIDP unifié contre le PDCI, et ça va diviser la politique. Le président a voulu que moi, je rentre dans le RIDP. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais je ne suis pas contre le RIDP aussi. Celui qui veut militer dedans, qu'il aille militer, c'est très bien.
Le 24, il m'a appelé, il dit, Guillaume, tu n'as pas changé d'avis. Il dit, ah, vraiment, vous me connaissez. Un petit Niarafolo, c'est nouveau. Quand il dit non, c'est fini, c'est non. Quand il dit oui aussi, c'est fini. Alors, mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage. Merci. Je dis non à Ouattara, s'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. Ah, fils digne de la Côte d'Ivoire. Attends, bah. Le reste de vidéo, là, on va faire ça sur pied. Il est boire là. Voilà. Les moutons, hein, attaque, Rama. Mets-toi ici. Écoutez, le reste de vidéo, on va s'arrêter. Hein. Qui cède à un chantage. Aujourd'hui, je dis non à Ouattara, s'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Aujourd'hui, je dis non à Ouattara, s'il veut m'obliger à militer à un parti politique. Je ne suis pas d'accord. Non, ça ne se fait pas chez nous. Écoutez, les animaux, vous allez comprendre. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara au plan personnel. Mais notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. Parce que moi, je ne conçois pas qu'on oblige des gens à militer dans un parti. Pourquoi ? On a vivre, on s'est battu là. C'est pas pour qu'on nous oblige à militer dans un parti. Hein. On s'est battu, c'est pour être libre. Celui qui veut militer au RHDP, il va. Celui qui veut militer au FPI, il va. Celui qui veut militer au PDCI, il va. Celui qui veut militer au RDR, il va. C'est la liberté que nous voulons. Le peuple le plus lâche au monde, je peux le dire aujourd'hui, mes parents, c'est Nifo. Vous avez compris ? Levez-vous, allez-y voir Ouattara. Vous avez compris ? Aujourd'hui, j'ai dit non à Draman s'il veut m'obliger à militer au RDR. On s'est battu sur la base des maçons pour être libre. Mais pas pour venir nous obliger à militer à un parti fantôme. Un parti qui résiste sur la violence et la force et le massacre. Vous comprenez ? Le RDR, le seul parti politique RHDP, sa seule existence sur la terre est basée sur la violence et le massacre. Qu'au crime contre l'humanité. Hé, hey, débat là est trop doux. On va partir à Paris. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit très clair. Président Ouattara m'a appelé. Viens au RHDP. J'ai dit, il ne peut pas. Il m'a appelé le 24, il n'a pas changé d'idée. Ça dit, créer le RHDP, tout le nordiste doit aller là-bas pour combattre les autres Ivoiriens. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Mais est-ce que dans un état normal, un peuple digne vient au RHDP, j'ai dit non. Ça seulement, Soro mérite tout cet encharnement-là devant ses parents du Nord, sur les yeux du peuple du Nord, le peuple sénifo de la Côte d'Ivoire. Honte à vous. La honte de toute une ethnie. Mes parents sénifo, je ne vous reconnais plus. Vous êtes devenu le plus lâche ethnie dans le monde entier. Allez-y voir votre âme. Il n'y a pas coup d'État. On ne parle pas de coup d'État. Viens au RHDP. Je ne viens pas. À Banapé, c'est fini. Il doit mourir. À cause de ça. Vous avez compris? Ici, une autre vidéo. Très rapidement. Allez-y dire aux animaux. Là. Pas d'accord. Aujourd'hui, je dis non à Ouattara. S'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara au plan personnel. Mais notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. C'est ça qui a fait que moi j'ai quitté le RDR. Notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. Donc, tu peux partir. Écoutez. Que moi, je ne conçois pas qu'on oblige des gens à militer dans un parti. Pourquoi ? On est libre, on s'est battu là. C'est pas pour qu'on nous oblige à militer dans un parti. Hein. On s'est battu, c'est pour être libre. Celui qui veut militer au RHDP, il va. Celui qui veut militer au FPI, il va. Celui qui veut militer au PDCI, il va. Celui qui veut militer au RDR, il va. C'est la liberté que nous voulons. Allez-y dire à ces animaux des Dramanes. On s'est battu sur la base des maçons pour être libre. Mais pas pour venir nous obliger à militer dans un parti qu'on appelle RHDP qui n'a pas de signification. Arrêtez vos médiocrités là. Chers parents de Ferke, l'heure est arrivée. Quand sera démissionné là, j'ai votre vidéo ici, une délégation est partie.
faut aller demander sur eux qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Parce que les journalistes, ils avaient commencé à raconter n'importe quoi. Une faute délégation. Je demande aux femmes de Ferke, à nos parents de Ferke, à tous les sénifaux de la Côte d'Ivoire, une délégation pour aller voir Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que Soro t'a fait? Viens au RIDP, je ne viens pas à cause de ça. On a pris les armes. On a participé dans ta rébellion de merde là. Ce n'était pas après venir nous obliger à militer à un parti, non. Et puis qui t'a dit d'ailleurs de tuer le RDR? Pourquoi tu as dissous le RDR? Parce que c'était un parti politique qui était sale. Qui était sale des sang des Ivoiriens. Tu as créé le RADP. Moins de 10 ans, le RADP est sale des sang des Ivoiriens. Imaginez un instant, si Soro avait accepté d'adhérer à ce parti-là, il était mort à jamais. Les Ivoiriens n'allaient jamais pardonner Soro encore. Le RADP a eu les joues tout de suite là. Mais elle est sale des sang des Ivoiriens. Vous comprenez? Alors ici, une vidéo et puis on va finir très rapidement. Pour deux vidéos encore. Je crois que c'est des... Tellement de vidéos ici, là. Attends, Olivier, c'est pas ça. S'il vous plaît. Ici, il s'adresse à nos parents. Voilà, ici. Écoutez. Même si nous restons 10, je dis. Même si nous restons 10. Même si nous restons 10, nous continuons la marche. Non, papa, on a déjà. Je dis. Même si nous restons. On a déjà mémorisé ça, c'est pourquoi on est dedans. Voilà, c'est ça. Écoutez, cette vidéo-là. Écoutez, chers parents de Ferke. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi. Peuple sénifo, allez le bénir. C'est vous qui êtes là. C'est vous. Ça, on était africains. Peuple sénifo, écoutez. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Inch'Allah. Inch'Allah. On était à Ferke ici. J'ai accepté de démissionner. J'ai accepté d'embrasser la dignité. Parce que vous me l'avez enseigné. Qu'un petit sénifo ne doit pas accepter de vendre sa dignité. L'homme ne s'achète pas. C'est à Ferke, vous l'avez dit. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous m'avez enseigné de ne pas vendre ma dignité à cause d'un poste de l'Assemblée nationale. L'homme ne s'achète pas. En tout cas, ce n'est pas un sénifo. Alors, si cela est vrai, peuple sénifo de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Ferke, l'heure est arrivée. Je me suis adressé au Koyaga ici. Abdoulaye Fofana, on ne sait pas où il est rentré. Les Sultusul sont en train de mourir en prison. Les Ahmed Barayouro sont ligotés. Et aucun Koyaga peut s'adresser à Ouattara. D'accord, c'est bon. Amadou Gokloubali, lui, est parti. Que son nom repose en paix, le Ouattara. Soro Djom. Ça va chauffer. Hein? Ici, on attend clairement. Ça, c'est nos parents qui nous ont enseigné. C'est pourquoi moi, là, c'est pas comme ça aujourd'hui. Moi, on ne peut pas m'acheter. On ne peut même pas me manipuler. C'est pourquoi j'ai problème avec beaucoup de personnes. Manipuler, on ne peut pas. Une simple manipulation, moi, on ne peut pas. C'est pourquoi dans ma vie, je suis unique. Quand je vois quelque chose qui n'est pas clair, n'est pas droite, je ne rentre pas dedans. Tu vas venir raconter ta vie, j'écoute, ça rentre ici, ça sort là-bas. À plus forte raison, m'acheter. Si on pouvait acheter quelqu'un, moi, j'étais un cadre du RDA ici. Ils allaient me mettre à l'aise et puis ils restent là. Au niveau de la jeunesse à Milan ici, j'ai un rôle à jouer. On ne peut pas m'acheter. Les gens ont peur même de m'approcher. Parce que je vais dire, c'est de ça qu'il s'agit.
Alors ici, on va aller très rapidement. Ferke. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Comment nous on a su que l'homme ne s'achète pas? C'est vous qui nous avez enseigné ça. Nos grands-parents arrière, le peuple sénifou, nous enseignait à tout petit à ça. De ne jamais vendre sa dignité, d'embrasser la dignité. L'homme ne s'achète pas. On ne peut pas nous acheter à cause d'un poste ministériel ou président de l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Inch'Allah, ce que Dieu a prévu pour lui va se réaliser. Inch'Allah, ni Allah sonna. Donc, chers parents de Sigla, et pardon, chers parents de Ferke, à tous les sénifaux authentiques de la Côte d'Ivoire, nord de la Côte d'Ivoire, que ce soit à Ferke, je ne sais pas où, Korogo, une délégation doit se mettre ensemble pour aller voir Ouattara. Il est temps que vous partez poser question à Ouattara. En fait, qu'est-ce que Dom Sorot a fait pour mériter tout cet acharnement-là? Je ne vais pas. Ils ont commencé à traiter mon peuple sénifo, le peuple le plus lâche au monde. Et moi, j'ai confirmé. Et j'ai dit ça aujourd'hui. Le peuple sénifo, l'un des peuples le plus digne, le plus respecté. Mais les gens, sur cette affaire de Sorot et Draman, on commence à comprendre que déjà le peuple sénifo de Mena, là, c'est le peuple le plus lâche. Allez voir une, Ouattara, une délégation, pour lui poser la question seulement, qu'est-ce que Sorot a fait? Nous, on sait. Ouattara a dit à Sorot de venir au RDR, il n'a qu'à démissionner. Bon, on pouvait même rester au RADP. Mais vous nous avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre notre dignité à cause d'un poste d'Assemblée nationale. Vous nous avez enseigné que l'homme ne s'achète pas. Comme Draman est en train d'acheter les Ivoiriens aujourd'hui. Les Mabri, la Finguessa, tous les cadres de PDCI. On achète un être humain comme Rachid a mangé. C'est pas ça que vous nous avez enseigné. Donc il est temps que vous vous levez, allez voir votre. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais m'adresser aux imams sénifaux du nord de la Côte d'Ivoire. Les sénifaux qui se sont convertis à l'islam, ils sont devenus musulmans. Je vais vous montrer ce que sera fait pour eux aussi. Malgré lui, il est resté chrétien. Par les sénifaux, il y a chrétien dedans, et puis il y a musulmans, et puis il y a imam Bougantier aussi. Je vais vous montrer très rapidement. Ici, où est plutôt là? Ok, attends, Olivier. Donc, camion de carreau, peinture, c'est ça dont tu m'as demandé, chef. Tu m'as donné une feuille là, la dernière fois. J'ai envoyé à Abidjan, c'est prêt. Depuis hier, c'est prêt. Tu as vu, Herman n'est pas là. Il vient avec le camion demain ou après-demain. On va venir faire ça. Tout le matériel est prêt. On va venir, on va peindre la. On va mettre carreau, on va faire tout ce qu'il faut sur la mosquée. Effectivement, le président allait me saluer lorsqu'il s'est arrêté dans ce village et les gens l'ont sollicité pour l'achèvement de la mosquée. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de cette mosquée. On ne peut que dire merci à Dieu et demander à tous les imams d'invoquer Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix en tous les fils du Dimini. Tous les postes, à l'exception de celui de Dieu, sont prenables. Nous, les fidèles à Guillaume Soro, nous prions Dieu
et nous exhortons tous ceux qu'il aime et tous les imams qui étaient là à prier pour lui pour qu'en 2020 il soit celui-là même. À prier Dieu pour lui, Nkasso. Priez Dieu pour lui, Nkasso. Actuellement, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites? Peuple, c'est une faux. Il est venu construire une mosquée finie pour vous. Dans ces mosquées-là, imam qui parlait, blablabla, vous ne pouvez pas soulever vos fesses-là. Une délégation pour aller voir votre mosquée-là, celui n'était pas chef d'État, hein? Il a fait ça pour vous. Je m'adresse au peuple, c'est une faux. Vous faites partie. Vous comprenez? Les Jimini, les Djamala, les Tagana, tout ça, c'est le peuple, c'est une faux. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Il est venu construire une mosquée finie, carreau, peinture, tout. Vous avez raconté votre vie. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous dites que vous êtes des croyants, l'homme de Dieu. Là, je ne vais plus m'adresser aux comédiens plaisantaires des imams de Kozim, là, parce que parmi eux, il y a tout dedans là-bas. Je m'adresse à vous. Chers collègues imams, c'est une faute du Nord. Nos parents, c'est une faute du Nord. Il est temps. Si personne ne veut s'imprégner au Grand Nord pour le cas de Soro, mais moi, je sais qu'en tout cas, les collègues de Ségala, ils ne vont pas partir. Parce qu'eux, ils ont assisté aux décapitations de tous les enfants. Donc, ce n'est pas Soro, ils vont aller plaider. Vous comprenez? Mes parents, c'est une faute de Korogo et ils ont perdu un Gonkloubali. Donc, entre Felke et Korogo, petite rivalité entre les deux peuples, la médiocrité africaine. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous les imams ici là, vous les sénifos musulmans là, vous êtes là, le cas prier pour lui, tout ce que blablabla, allez-y voir votre âme. Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Désormais, je vais laisser le peuple du Nord un peu et m'apprendre à vous. Soro Guillaume Fouo, Minana Kanaba. Soro Guillaume Fouo Nkasso, allez-y voir votre âme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Rabben Kanyi, soit celui-là même qui va diriger l'exception de celui de Dieu, son prénom. Kaotan Kone, c'est une faux. Vous comprenez? Donc, il raconte. Nous, les fidèles à Guillaume Soro, nous prions Dieu et nous exhortons tous ceux qui l'aiment et tous les imams qui étaient là à prier pour lui. Regardez cette photo-là. Tous les imams qui sont assis par terre ici. Cela ne peut pas faire une délégation d'aller voir votre âme. Pour lui demander, il serait ce qu'il lui demandait. Je me pose la question aujourd'hui, comment tout un peuple puisse perdre leur dignité un coup comme ça? Tout un peuple peut perdre leur dignité un coup comme ça? Je dis mal. Tous ces imams-là, pourquoi ils ne se lèvent pas aujourd'hui pour aller voir votre âme? Demander qu'est-ce que sera ta fait. Mes parents, c'est du faux du Nord. Pourquoi ils ne veulent pas aller voir votre âme? Qu'est-ce que sera ta fait? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. S'il y a un crime contre l'humanité après celle de 19 septembre 2002, celle de 2010-2011, le coupable, c'est Draman. Voilà. Il n'y a pas un autre coupable. Soro n'a pas tué moustique en Côte d'Ivoire. Voilà. Celui qui dit le contraire, allons au tribunal. Moi, je suis prêt. Allez témoigner aujourd'hui à Paris. Je suis prêt. Et puis ces ONG-là, ils vont donner la liste de ceux qui ont disparu où ils disent que c'est Soro. Ils n'ont qu'à donner la liste. Voilà. Ibrahim Koulibaly, là, Ibela, fait partie des les personnes qui ont trouvé la mort avec Ouattara. Crime contre l'humanité. L'assassinat de Ibé. Ça fait partie. Voilà. Nous, on est ici pour ça. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. On ensemble, merci beaucoup. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Draman et sa humiliation. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bon début de semaine. Inch'Allah. Demain, on va reprendre les activités. Et puis, on va suivre cette affaire-là de près. Voilà. Chaque fois, quand on voit qu'il y a problème, nous allons sortir. Voilà. Moi, j'ai 3 téléphones ici. Voilà. Le plus dangereux, c'est ça. Ça aussi, il est dangereux. Il y a 3e, j'ai fait vidéo avec. Draman ne peut pas s'en sortir. Merci beaucoup à tous.